Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons le quartier Cyrillan et le Fossoyeur, juste avant de partir à la chasse à la goule blême. Mais quelques points restent à régler. C'est une créature qui est très dangereuse et très résistante quand même, donc ce ne sera pas une partie facile. Hein. La capture, c'est une étape importante et compliquée du processus, pour deux raisons. Premièrement, c'est une créature très violente, très forte, physiquement très forte, mais en plus elle est très rapide et assez intelligente pour savoir quand s'enfuir. Donc non seulement il faut être capable de la contenir, mais en plus il faut être capable d'empêcher à ce qu'elle parte. Très bien. Ah oui, au fait, vous forfaitez tous vos gages si elle meurt. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'espère que vous l'avez bien compris. Tu vois qu'il réfléchit. Ensuite, si vous êtes aussi convaincu que vous êtes capable de le faire, ça devrait pas être un problème pour vous. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour nous. Parfait. Pendant que vous avez devisé votre sac, il y a le rideau. Et donc, alors ma question avant que le rideau s'ouvre, enfin le rideau, que tu vois une main qui passe sur le rideau, à qui tu fais appel pour mettre en place le moyen de transport ? La Rakiza ou la Tridentine ? Tu peux pas juste louer un truc ? Louer un truc, c'est-à-dire ? Louer une charrette avec une bâche par-dessus, tout simplement. Alors, il y a que deux voies pour sortir du quartier Cyrillan. Dans les voies officielles, entre guillemets. Il y a un pont qui mène aux terrasses. Ce pont, il est gardé et il va être contrôlé. Donc, il va sûrement être fouillé. Votre véhicule va être fouillé et il va être fouillé, quoi. Donc, ça, c'est la carriole, on va dire. L'autre, c'est les marches. Donc, c'est un grand escalier qui descend vers le quartier des Sœurs, qui est le niveau en dessous et qui amène après au fleuve Dispand. Et la troisième voie, c'est à travers les égouts, trouver le passage qui permet de relayer dans les autres quartiers pour in fine arriver vers une zone proche de la soif. Et ça, est-ce que Sextus, il le connaît ce passage ? Alors, Sextus ne connaît absolument pas le passage. Hein. Il n'est pas du secteur connaître ça. Et puis, ça... Après ça, si t'as pas quelqu'un qui connaît le truc, c'est vous allez passer des semaines, peut-être des mois, des années, ou alors vous finirez dans l'inframonde, ou vous trouverez une sortie, mais peut-être à l'extérieur de la ville. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est faisable, mais c'est compliqué, ça prend du temps. Et donc effectivement, les deux voies, c'est la passerelle qui mène sur la terrasse suivante, ou le grand escalier. Mais l'escalier, c'est des porteurs et d'autres systèmes par poulies descendant ça, mais il n'y a pas de carriole qui passe en tout cas. Ok. Donc tu dis que si on passe par le pont, on sera systématiquement fouillé. Vous allez être contrôlé, fouillé, ouais. Donc c'est pas quelque chose qu'on est capable. Parce que passer par le pont, c'est pas un problème quand on est étudiant de l'école. Et parce que toi, t'as une lettre de travail et que, en plus, maintenant, vous avez le truc qui doit être en binôme. Parce que sinon, actuellement, avec les problème de Cyrillan et de réfugiés, ils ont un peu fermé le quartier, donc il y a plus de contrôle. Et en plus, comme les prix de nourriture augmentent et tout, il y a des tensions, ils sont très vigilants pour pas que ça se déborde du quartier, quoi. Donc en gros, le pont, c'est pas une option. Ça peut être une option, mais dans tous les cas, s'il faut passer par... Enfin, ce qui te fait le plus sens, c'est de passer par une des mafias, parce qu'elle devra avoir des moyens pour faire descendre. Après, il y a... Alors,
peut-être pour te donner deux détails, pour peut-être comme ça orienter le choix de la discussion après. Le quartier de Cyrillan, qui est contre la falaise de la vallée, en fait, puisqu'après c'est une sorte de grande muraille, enfin naturelle, en fait, puisque c'est encaissé. Donc tu as le pont. Ce pont amène aux terrasses, qui sont le secteur de l'ancien palais royal de l'Assemblée. Donc en fait, là, il y a tout un jeu de différentes terrasses qui permet d'arriver jusqu'au niveau. Enfin, c'est le quartier du port et tout ça. Donc c'est des quartiers très riches, les terrasses. Ça reste des zones assez riches. C'est pour ça qu'il y a aussi un bon contrôle des accès, parce que on ne veut pas mettre de bazar dans ces secteurs-là qui sont un peu privilégiés. Et sinon, après, tu as un grand escalier donc qui permet en fait de descendre la falaise et d'arriver dans le quartier des cristaux, et qui donne de suite sur le quartier des sœurs. Donc, en gros, il y a deux options principales, entre guillemets, par les sorties classiques. C'est prendre la passerelle et enchaîner les terrasses pour redescendre vers le bidonville d'Assoif. C'est de l'autre côté. Voilà. Comme tu le sais, pour arriver à Assoif, il y a des murailles tout le long, parce que c'était un quartier qui était en dehors de la ville à une époque. Et donc, il y a deux passerelles, pareil, pour accéder avec des portes gardées. Et en gros, comme il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent comme c'est des pauvres, les gens utilisent des bateaux pour aller traverser. Donc, il y a différentes zones d'accostage pour y traverser. Et donc l'autre option, c'est de descendre l'escalier qui permet d'arriver dans un quartier assez vivant, le quartier des cristaux, puis après le quartier des deux sœurs, qui permet de l'accéder d'après à une rivière et donc pouvoir embarquer sur des bateaux qui peuvent après. Enfin, bateaux, barges et autres, quoi. À moins que tu aies une astuce que tu peux m'expliquer qui est peut-être possible ou pas, pour avoir des papiers qui te permettent de tenter une sortie, il faut passer par la mafia. Et donc les deux qui sont présentés dans le secteur, c'est la Rakiza ou la Tridentine. Et après, alors, des papiers. Est-ce que je peux avoir des papiers de l'école pour en fait transporter des matières de l'école sans qu'ils me posent des questions, quitte à faire des faux? Donc, si tu fais ça, donc on peut le faire, des faux papiers qui disent que tu transportes de la matière et tout ça, ça sera quand même fouillé. La matière magique qu'il faut pas ouvrir. Tu sais, le mettre dans une caisse et dire surtout pas ouvrir, danger magique. Un peu comme si on transportait la nitroglycérine ou des virus, tu veux. Mais avec un petit papier officiel de l'école. Tu penses que techniquement faire des faux, ça doit être faisable. Faut savoir après le niveau de réussite. Par contre, les gardes que tu vas avoir à traverser sur la passerelle qui amène donc après aux terrasses centrales, il y a différents niveaux de. Il y a de la garde locale, donc les différentes vigentes, donc des quartiers, les quartiers sortes de milices locales. Et puis il y a des milices plus. Enfin, elles rapportent à une milice centrale. La garde des reins. Et dans ces parties-là, terrasses, qui sont un peu plus riches, il y a des soldats de la garde des reins, ou des équivalents entre la garde des reins et la vigente. Donc, c'est des personnes qui vont être. Ça va être faisable. Sur le papier, c'est faisable, mais qui vont être plus difficilement bernables que d'autres. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous contrôler tout le temps. On sait qu'on va être contrôlé systématiquement au pont. Mais ensuite, une carriole qui passe, ils contrôlent pas toutes les carrioles qui passent dans le quartier, quoi. Non, ça c'est sûr. Par contre, ça veut dire que les personnes qui contrôlent le pont, la passerelle, elles vont quand même bien faire leur travail. Et elles vont bien faire leur travail, mais donc nous, on est autorisés. Et si s'il y a un papier de l'école de magie qui dit qu'il faut pas ouvrir, à mon avis, ils ne feront pas être assez bêtes pour ouvrir. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, ils vont sûrement vérifier la. Ils vont souvent porter un message ou autre pour demander vérification que ce qui est écrit est bien au niveau de l'attendu. C'est ce que tu pressens. D'accord. Donc c'est pas une option de trouver un moyen de. Tu peux, c'est juste que tu sais que ça sera compliqué. Donc après, ça dépend comment tu arriveras à faire défaut et à répondre aux questions, ou à tronquer le fait qu'il y aura sûrement une demande de vérification du papier, donc à court-circuiter cette demande. Tout ça, c'est faisable. Ça dépend ce que tu mets en parallèle, quoi. Disons que c'est pas trop autant. Ouais. Autant être discret, c'est quelque chose que je sais faire, mais autant mentir ou. Je sais pas trop mes capacités, on va dire. Donc je miserai pas ça sur. Je peux pas miser toute la réussite de la mission sur cet aspect-là. Ensuite, est-ce que mise sous le pont, elle connaît pas les souterrains, ou elle serait capable de. Ou quelqu'un qui connaîtrait les souterrains qui nous permettrait de passer par les égouts? Puisque je suis allé la contacter déjà. Là, ça fait quelques années quand même que tu travailles dans le secteur et tout ça. À ta connaissance, donc c'est sûr que mise sous le pont, elle pourra pas t'aider cette partie-là. À ta connaissance, ça doit être extrêmement rare et
très peu de gens doivent être au courant s'il y a des passages qui permettent, en gros, d'aller d'un quartier vers un autre que par les arrières. Donc toi, t'as pas la connaissance de personne, ça. Si ça existe, ça doit être super rare et tout. Tu penses qu'il y a plus de chances pour trouver quelqu'un qui te fasse traverser, c'est-à-dire comme pour les réfugiés, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui te fait passer de l'extérieur de la ville via ça, mais circuler au sein des différents endroits pour aller de quartier en autre, ça te paraît très compliqué. Donc D'accord. c'est pareil, là encore, c'est faisable. Mais t'as pas une petite annonce que tu peux poser qui, entre guillemets, qui va dire je trouve quelqu'un qui me permet de faire passer. Il faut vraiment un réseau de connaissances, et ben là encore, il faut sûrement passer par certaines mafias pour trouver qui peut faire ça. Mais. Ce que j'essaye, c'est d'éviter. Si j'amène notre colis à Assouaf, c'est pour éviter d'avoir cette dépendance sur la mafia, de toute façon. Donc, oui, j'ai bien compris. Donc là, j'essaye de trouver un moyen qui évite de devoir. De devoir utiliser ça. Dans ce cas-là, l'autre option, c'est de pas aller dans Assouaf et aller en dehors de la ville, et donc de faire le chemin qu'ont fait par exemple les réfugiés. Et si tu veux pas participer, pas, enfin voilà, c'est l'option. Est-ce qu'on peut sortir de la ville, faire le tour de la ville, re-rentrer par un autre endroit et par l'eau et se faire directement amener à Assouaf? Alors, sur le papier, oui. Tu peux faire le chemin des réfugiés, c'est-à-dire repasser par les égouts et arriver à l'extérieur de la ville. Et ensuite, il y aura deux options. Soit prendre un des... la dispende, elle se divise en deux. Et elle revient dans cette zone-là. Donc, soit remonter après, jusque là où ça se divise, pour prendre une barge qui amènera directement à Assouaf, en suivant le cours. Soit prendre une barge là où vous êtes un peu plus près pour, enfin une barge ou trouver un bateau ou un passeur ou ça qui vous fasse revenir vers l'entrée de la ville et puis après être à Assouaf, ou faire tout le tour à pied jusqu'à Assouaf dans les montagnes, trouver un passeur qui vous fasse passer dans la montagne pour vous amener à Assouaf. Tout ça c'est faisable, par contre ça va prendre des journées. C'est ça, ça prend trop de temps. Disons que la créature, elle va pas être volontairement vouloir rester dans ces chaînes, et donc le plus court on fait, le mieux. Ou on prend un chariot, mais un chariot qui a un double fond, on met la créature dans le double fond, mais elle va faire du bruit. Disons qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'elle fasse du bruit. Parce qu'elle va pas rester assommée indéfiniment. Donc je regarde Naïs, et donc tout ça on en parle, hein. Je regarde Naïs et je dis, à ton avis, combien de temps tu peux faire en sorte qu'elle soit assommée? Je vois qu'elle lève un peu les yeux. Tu notes que ses yeux n'ont pas l'air si brumeux que ça. Pourtant, vu la quantité d'alcool qu'elle vient de s'ingérer, quoi. Mais par contre, elle est quand même les traits très tirés. Si je reste à côté et que je la maintiens. Dès que je sens qu'elle a bougé, je peux la taper pour qu'elle reste sage. Hein. Donc ça implique que tu viennes avec nous. J'ai pas franchement envie d'être enfermé dans un double fond, mais si vous payez très bien, ça peut s'arranger. Non mais tu m'as regardé? Tu m'as regardé? Tu vois qu'elle moi je souris, mais elle sourit pas, elle te regarde avec ses yeux fatigués et tout ça. Tu sais pas ce que ça veut dire, comment elle réagit. Elle se resserre son pichet. Non, le double fond, c'est un peu... Déjà, avoir une carrière avec un double fond, ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Sans passer par une mafia. Dot, dot, dot. C'est fou qu'on n'ait pas un moyen simple d'amener une créature surnaturelle d'un endroit à un autre de la ville. Quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Facile, quoi. Mais après, tu je regarde, je regarde mon Golfia, mon collègue, les bateaux des mon éoliennes. Collègue étudiant, et je lui dis, tu voles pas? Tu sais pas voler, par exemple? Tenez, hein? Non, non, désolé. Pas encore. Est-ce que tu serais capable de déguiser, de camoufler quelque chose pour le rendre moins suspicieux? Non. Par contre, je peux te le tuer si tu veux. Je peux en faire de la charpie. Hein? Ou le brûler. Faire des belles cendres. On en a parlé, ça. Tu te souviens de ce dont on a parlé, hein? Oui, je sais, je te taquine. Bon. Je vais me prendre un autre truc à manger encore. Il sert d'un truc. Bon. Si t'as pas d'autre solution, on va dire que tu vas non, faire j'ai une très bonne solution, en fait. Avec la mafia. Non, j'ai une très bonne solution. Bon, non, alors, j'ai une quoi? Très bonne solution. Un cercueil. Un cercueil, ouais. Un cercueil avec la créature dedans, et on dit que c'est un enterrement. Comment ça marche, les rites funéraires? Est-ce que je suis capable de faire sortir un cercueil du quartier? Est-ce que c'est un truc qui se fait, par exemple, quand les gens font rapatrier les corps d'un quartier à un autre, ou quelque chose comme ça?
Un cercueil avec une créature blême à l'intérieur qui est assommée. Ça pourrait passer pour un mort si on lui met un costard, ou tu sais, si on met des draps par-dessus ou quelque chose comme ça. Bah, tu sais qu'il y a, t'as le quartier de la nécropole, qui est plutôt l'endroit où justement on fait les enterrements ou autre. Ça fait un peu bizarre parce que... Non mais si on l'amène notre quartier à nous vers la nécropole. Non, mais ce que je veux dire c'est que dans ce cas-là, ça fait peut-être un peu bizarre de faire ça en pleine nuit, mais sur le principe, tu dois pouvoir faire des faux papiers ou autre... qui indique que la personne est morte et qu'elle a fait ce qu'il fallait pour être enterrée à la nécropole et tout ça. Peut-être qu'il y aura un contrôle aussi sur le papier, mais ça te paraît plus de chances que ce soit pas vraiment contrôlé. Après, si vous êtes sur des gardes méticuleux, peut-être qu'ils feront quand même un contrôle dans le cercueil. Parce qu'après tout... On peut la déguiser. C'est ça. Et moi, je suis quand même morticien, donc je suis capable de mettre de la maquille un peu et de lui enfiler un linceul et tu sais, de faire en sorte que ça ressemble à un mort, quoi. Donc ça te paraît entre guillemets viable pour un mort de faire ça? C'est un mort vivant. Alors, bon, un mort vivant qui est assommé, ça ressemble à un mort. La question que tu vas te poser, c'est comment t'assurer qu'il reste entre guillemets inconscient sans réagir pendant ce passage là, quoi. Ben, tant que Naïs lui tape sur la gueule, quoi. Va pas falloir. Donc je regarde Naïs et je lui dis es-tu capable d'assommer quelqu'un sans que ce soit très visible? Bah c'est un mort ton truc, on doit pouvoir bien le tabasser sans que ça se voie si c'est déjà mort. En plus ça saigne pas. Ça je te le dis. Ouais, donc il y aura pas de traces de coups, donc ça devrait être bon. Je sais pas, est-ce que ça fait des bleus, les morts vivants? J'en ai jamais vu, hein, donc je suis pas capable de dire. Est-ce que d'après la littérature, les morts vivants font des bleus quand on les tape? Bah fais-moi un petit... Moi j'ai beaucoup étudié. C'est arcane? Ouais, ça a l'air d'être arcane. Allez, un petit jet d'arcane. 20 naturel. Voilà, parfait. Je connais tout des morts, je te l'ai déjà dit. Donc effectivement, il y aura pas de marque particulière ou autre. Par contre, ce que tu penses, c'est qu'effectivement, c'est... Tu sais pas, une fois que t'as mis la créature, de ce que t'as lu, hein, tu sais pas combien de temps elle peut rester KO ou pas, donc si le cercueil est fermé et il va être scellé, puisque on sait que la démarche, c'est quand on est en terre, c'est qu'on scelle les cercueils justement pour éviter qu'on s'en serve pour faire de la contrebande, donc... Juste avant de passer le pont, on scelle le cercueil. Donc voilà, donc il faut que ce soit scellé avec... On enfonce trois clous et puis voilà. Ouais, non, ça se scelle en présence d'un officier de la... Ben, représentant l'autorité locale pour attester que ce soit été bien fait sans contrebande, et ensuite... Mais c'est un peu... C'est mon boulot, non? Oui, c'est pour ça qu'on parlait des faux papiers. Et donc ça veut dire qu'après, ils peuvent faire sauter les scellés pour faire regarder, ça peut prendre un certain temps, donc il faut que pendant tout ce temps-là, l'effet de l'inconscient reste. C'est un risque qui est courable, ça t'as... Moi qui suis très compétent en herboristerie, parce que ça fait partie des choses que je sais faire. Est-ce qu'une fois que la créature est assommée, est-ce que je connais une sorte de fiole ou de potion qui me permettrait de la garder inconsciente? Ce que tu sais, c'est que ça marche, ce que tu connais marche sur les vivants. T'as pas justement, t'as aucune connaissance sur ces morts, hormis ce que tu as lu, et ce que tu fais pas le lien entre... Ouais, mais c'est une bonne façon d'expérimenter. Tout à fait. Voilà, donc si je connais quelque chose, je vais être capable de faire ça aussi. Là, en termes techniques, la question que tu peux te poser, c'est quelqu'un qui a 0 point de vie, combien de temps il reste jusqu'à 1? Enfin, avant de revenir à 1. S'il est stabilisé ou autre. Ben ouais, mais normalement, tu réveilles pas instantanément... Normalement, tu te réveilles. Je sais pas. C'est toi le maître du jeu. Moi, j'ai mon propre avis parce que je suis maître du jeu Donjons et Dragons. Mais en l'occurrence, c'est toi le maître du jeu. C'est à toi de décider. Et je prendrai le risque. Voilà. Donc, en fait, le plan, ce serait juste avant d'arriver au contrôle, un bon coup dans la gueule de la part de Naïs, poser les scellés directement dans la carriole, passer au contrôle, et puis ensuite rouvrir les scellés et recoller un coup dans la gueule. Donc. Pour finaliser l'organisation en fait, de cette partie-là. Alors, il y a toute une partie du plan dont j'ai pas parlé encore, parce que je veux utiliser... Donc la dernière fois, là où on s'est fait avoir, c'est que la créature est partie en courant, elle était beaucoup plus rapide que nous, et donc elle s'est échappée dans tous les voyous.
Donc ce que je veux demander à mes réfugiés syriens... Avant ça, parce sont... qu'on était sur la partie du transport là pour l'instant, parce que c'est pas fini. Ok. Je voulais dire, juste pour finaliser ce truc-là, tu vas faire un petit jet pour l'organisation. Et dans ce cas-là, c'est pas quelqu'un de la... Je présume de la mafia qui va venir passer le rideau, mais c'est quelqu'un qui va t'amener la carriole ou les trucs, te confirmer les rendez-vous pour les cercueils, tout ça, quoi. On est d'accord avec ça? Ouais, mais ça... Ouais, ça saoule, hein, ouais, un truc comme ça, ouais. Donc, là, je pense... Mais dans le réseau cyrillien, quoi. Comme du coup, je m'expose moins à la mafia. Ouais, la mafia, elle est partout, donc il y a peut-être des chances qu'il soit... Si tu fais ça de façon discrète, ça... pour pas qu'ils soient au courant, parce que si tu fais ça entre guillemets de façon normale, clandestine, ils vont quand même être au courant, quoi. Non, je fais ça de façon discrète. Donc, qu'est-ce que... Discrétion. Je sais pas, moi, plus la discrète, discrétion. C'est de l'intelligence. Intelligence. C'est entre l'investigation et l'intelligence. Et tu fais ça avec des avantages. Déjà, si tu commences à me poser des gros problèmes, c'est pas cool, quoi. Alors, investigation ou intelligence, normalement ? Intelligence. Un jet de sauvegarde d'intelligence, ça serait ça. Je sais pas trop ce que je lui dirais pour monter un plan. Parce que c'est pas, ce serait l'investigation, peut-être, pour comprendre. Non, ça c'est fouiller pour comprendre des choses. Non, c'est pas l'investigation. Oh, non, intelligence, c'est bien. Alors, ouais. En plus, avec des avantages, c'est dégueulasse, mais investigation, c'est bien. Intelligence, c'est bien. Le désavantage, c'est pour qu'il soit pas au courant. Ah ! J'ai un don de mes... Ok, là, j'ai un truc. Dans mes origines, j'ai un don qui s'appelle réseau. Ah, ben bah, parfait. Du bouquin. Donc, j'ai un don du réseau qui est lié à l'école de magie Nécroman. Voilà. Ah. Donc, est-ce que je peux utiliser ce réseau pour annuler mon avantage ? Ouais, ton désavantage. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. On va dire que c'est parce que t'es très lié à essayer de faire passer un connecté. Mort et tout ça. Et tout ça. En plus, je suis morticien et on parle de Corbillard. Hein. C'est fait pas... Une fois de plus, ça fait... C'est dans mon domaine. Bon, ça fait pas beaucoup, par exemple. Ça fait 7 plus 3, 10 d'intelligence. Ok. Un bon 10, bien effermé. Ok. Donc, a priori, tu penses que ton plan, il va pouvoir être faisable et tout ça. Donc, il faut que tu fasses les faux. Hein. Là, on n'a pas encore fait l'histoire des faux documents. Mais en tout cas, ouais. Pour préparer tout ça, en essayant de pas alerter la mafia. C'est correct. Ok. Alors les avis de décès j'en ai des officiels déjà, des avis de décès j'en ai officiels puisque c'est moi qui les signe. Ouais. Donc j'ai déjà la paperasse et tout, et ensuite il faut faire les faux et la sceller. Voilà, et ça, pour en plus dire que c'est pour aller vers la nécropole. Ouais, et ça il faut savoir que je suis proficient dans les outils de voleur, donc j'imagine que faire des faux, c'est parfait, des activités donc, de voleur. Ensuite c'est toi qui choisis, quelle est la caractéristique associée? D'accord. Bah donc c'est intelligence. Yes! Et j'ai fait magnifiquement 16 plus 5, 21. Ouh, d'accord. Parfait. Donc un plan est monté. Donc maintenant, le transport. Pour le transport, et ensuite, c'est réglé. Une fois qu'on arrivera là-bas, donc on prendra un passeur, c'est ça? Parce qu'il faut quand même prendre le passeur, j'imagine. Une fois que vous passerez, après vous allez cheminer jusqu'aux abords de la dispense pour pouvoir prendre après un passeur qui vous amènera du rift à soif. T'as au moins l'option de faire appel à la famille que tu connais. C'est ça. On va aller prendre le capitaine et sa fille. Voilà. Stick à bouteur. Ouais. Et donc, on leur dit colis spécial. Ouais. Et ensuite, tu te retrouveras, tu auras donné un message pour que Miss Soulpont vous retrouve et vous guide avec des trucs dans votre... Tout ça, c'est faisable. Ouais. Parfait. Donc ça, c'est la partie transport. A priori, on s'est réglé. Ensuite, on verra si ça marche, si ça marche pas, mais c'est réglé. Ensuite, côté capture, alors. Voilà. Revenons à la capture. Pour pas se faire avoir comme la dernière fois. Fossoyeur a enfin mis au point une partie de son plan. Va-t-il se dérouler sans accroc ? À suivre très prochainement. Pour cela, abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci, bon jeu !